L'étrange nuit du docteur Midi vous laissera dans un coin tout transi. Chacune de ses sorties s'accompagne de terreurs et de cris. Le docteur Midi tient son nom d'un vieil homme par l'alcool abruti, son père, qu'il a élevé à coups de cassis dans le placard maudit. Quand le docteur Midi s'affole et court sans but dans la nuit, je vous invite à rester calme, pousser les enfants et ne pas faire de bruit. Car il présente un état incontrôlable, une forme de schizophrénie. Il accède à vos phobies pour vous jouer sa nouvelle rhapsodie. Le docteur Midi n'est jamais à l'abri d'une crise de folie. Il se déplace du lundi au lundi en se cachant derrière une forme de courtoisie. Car il sait que l'on se méfie du docteur à la calvitie qui se jette de façon irréfléchie sur les hommes asservis. L'autre jour à la pharmacie, il a feint une crise de tachycardie pour pouvoir planter ses ongles dans le cou du premier abruti et partir en riant assouvi, un peu étourdi mais enorgueilli, et dans l'attente du suivant, un verre d'absinthe de plus à englouti. Par-ci par-là, il vole de toi en toi pour n'être qu'un zombie. Tantôt poli, tantôt enlaidi, il se faufile, docteur Midi. Dans les groupes de ramassis qui flairent de sa soulerie, il attaque sans raison, sans merci et sans sursis. Le docteur Midi n'est jamais à l'abri d'une crise de folie. Il se déplace du lundi au lundi en se cachant derrière une forme de courtoisie. Car il sait que l'on se méfie du docteur à la calvitie qui se jette de façon irréfléchie sur les hommes asservis. La seule défense face au docteur Midi reste la filouterie. Il faut savoir lui mentir sans frémir face au ventriloquie et envoyer une lumière scintigraphie pour projeter son ombre jaunie. Quand il la voit, il se dissocie, voit deux docteurs et souvent il s'enfuit. Car en effet, le docteur Midi est sans interdit, mais son double l'abruti, l'abasourdi. Le docteur Midi n'a peur de personne, hormis de lui. Seul son ombre peut l'insécuriser, voire le mettre au tapis, et vous permettre de passer cette épreuve tout en restant en vie. Le docteur Midi n'est jamais à l'abri d'une crise de folie. Il se déplace du lundi au vendredi en se cachant derrière une forme de courtoisie, car il sait que l'on se méfie du docteur à la calvitie qui se jette de façon irréfléchie sur les hommes asservis. Méfiez-vous du docteur Midi. Ces étranges nuits vous laisseront dans un coin tout transi. Court et s'affole en plein milieu de la nuit, dans une forme de schizophrénie, chantant sa nouvelle rhapsodie. Le docteur Midi n'est jamais à l'abri d'une crise de folie. Il se déplace du lundi au lundi en se cachant derrière une forme de courtoisie, car il sait que l'on se méfie du docteur à la calvitie qui se jette de façon irréfléchie sur les hommes asservis.